Salut, vous êtes les bienvenus dans ce tutoriel. Slash démarche. Au singulier, vous faites un slash, le code pour le retrait du titre de séjour, c'est 1021. Voici les rendez-vous. Vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Ce tutoriel concerne une démarche en ligne. Nous allons voir comment prendre rendez-vous en préfecture des Yvelines, dans le 78. Laissez les publicités afin de m'aider. Merci. Nous allons voir comment prendre rendez-vous pour retirer votre titre de séjour, si votre titre de séjour est prêt et fabriqué. Vous avez reçu les SMS, on vous a dit que faut, voilà, le titre de séjour est prêt, il faut acheter les timbres pour aller récupérer ça. Vous savez que vous ne pouvez pas rentrer en préfecture, certaines préfectures en Île-de-France, sans rendez-vous. La technique que je vais vous montrer va vous permettre de bien... Abonnez-vous pour encourager le travail, merci. Arriver sur le site, là où il y a le rendez-vous. D'accord? Vous savez qu'il y a pas mal de sites qui peuvent vous dérouter du bon site. En plus, j'ai amené une notion de code pour vous. Cette notion de code, ce code, lui, va vous éviter les clics que vous faites pour aller sur le site, voilà, pour aller prendre rendez-vous. Vous savez, il faut cliquer par là, il faut cliquer par-ci. Et va faire la moitié du chemin. Alors, vous déposez sur la page là où... Je vous prie de vous abonner, merci. Il y a des rendez-vous. Maintenant, les traîneaux, on va voir ça dans ce tutoriel. Donc, je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. En préfecture ou en sous-préfecture, vous savez que vous pouvez faire plein de démarches. Donc, nous, je vais me pencher sur le cas d'un étranger qui a fait une demande de renouvellement de titre de séjour ou première demande et tout, et qu'on lui a dit que la carte est prête, maintenant, il faut qu'il passe récupérer. Soit il achète les thèmes ou il avait déjà déposé des thèmes, tout dépend de la situation. Il faut qu'il passe. Mais pour qu'il passe, il faut qu'il prenne rendez-vous sur ce site-là que je vais montrer. Partagez la vidéo à vos amis. Pour cela, vous devez lancer votre navigateur web, peu importe celui que vous utilisez. Donc, vous allez dans la barre d'URL. OK? Pourquoi je vais passer dans la barre d'URL avec vous? C'est le fait que je vais utiliser la notion code. Si j'utilise le moteur de recherche, ici, eh bien, c'est les clics. Il faut aller sur... par exemple, admettons que vous habitez dans cette commune-là, il faut passer par là, ensuite pour trouver, il faut cliquer ici, ensuite, après, il faut aller, lorsque vous arrivez là, vous pouvez vous perdre et tout, donc, avec tout ceci, il faut aller ceci, et il faut choisir ce que vous voulez faire et tout ça, afin d'arriver là pour choisir, pour, moi, je vais vous éviter ce du tout. Ok? Comment ça va se passer? On se remet au départ. Laissez un like plus un commentaire. Suivez bien, mettez la vidéo en pause, tapez ces liens que je vais vous taper. Cette notion des codes là, n'allez pas trop vite que la musique. Vous allez voir le code qui va vous permettre de tomber sur la page là où il y a les rendez-vous pour retirer votre titre de séjour. Parce qu'il y a des rendez-vous pour renouveler, première demande et récépissé ou plein d'autres choses. Mais moi, je vais prendre une partie. Donc, qui va être le retrait. Vous vous placez dans la barre d'URL. Je vous prie de vous abonner, merci. Vous tapez https://. OK. //. OK. Ensuite, www.rdv-préfecture. Point intérieur, n'allez pas trop vite. Point.gouv.fr. Ça, c'est une partie. Donc, ce tutoriel a pour but de vous guider. Ok, que vous soyez pas sur le mauvais site, que vous perdez du temps, parce que ça se peut, lorsque vous cliquez, vous tombez sur le mauvais site, et bien ça se peut qu'il y a des traîneaux. Il y a des rendez-vous. Et vu le temps que vous sortez, que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas sur le bon site, et bien au final, les rendez-vous ont eu le temps de finir d'être pris. Donc vous arrivez trop tard, suite parce que vous étiez égaré, on vous a envoyé sur d'autres sites, ou c'est pas le site original, c'est pas... Voilà, vous savez, sur le net, il y a plein de choses. Donc ensuite, je fais un slash,
je mets RDV, pref, slash, réservation, et slash, démarche. Au singulier, vous faites un slash et le code pour le retrait du titre de séjour, c'est 1021. Une fois que vous avez tapé ceci, dans abonnez-vous pour encourager le travail, merci. La barre d'URL, vous faites entrer. Pas dans le moteur de recherche, vous faites entrer. Et vous êtes arrivé sur le site remise du titre préfecture des Yvelines. Donc vous avez vu, pas besoin de faire les clics que je vous ai montré là. Avec le lien que je viens de vous taper, vous tombez directement ici. Donc là, on est à moitié route. Ici, vous pouvez faire deux choses. Soit gérer mes rendez-vous ou prendre rendez-vous. Si vous êtes dans le cas que bon, vous avez déjà pris rendez-vous et que bon, le jour J, vous ne pouvez pas vous rendre suite à X ou quoi, et bien là, vous pouvez aller modifier, supprimer, enfin, parce que c'est un service, il faut perturber. Là, on va dire prendre rendez-vous. Donc, que vous souhaitez vous faire? Étape suivante. Donc là, on a 6 étapes étant ici. Mais on a déjà passé, je dirais même 6 étapes. Prendre rendez-vous. Là-dessus, vous lisez au fur et à mesure. Ok. Donc, construisez votre dossier. Donc, pour le moment, vous pouvez lire si vous voulez. Je m'assure que je dépends de la préfecture de Versailles. Ok. La préfecture de Versailles, vous savez, vous devez vous assurer que vous êtes en préfecture de Versailles pour pouvoir. Ok, donc ça, c'est la préfecture de Versailles. Donc dans les Yvelines en fait. Ok. Là, le rendez-vous doit être confirmé sur votre mail, sinon il sera perdu. Donc vous avez compris, vous devez avoir une adresse mail valide, plutôt valable, et que vous avez accès de suite. Parce que vous avez 15 minutes pour pouvoir confirmer ce rendez-vous. Donc, il est très important de donner une adresse mail valide, car une fois la réservation effectuée, il faut la confirmer dans un délai de 15 minutes pour confirmer le rendez-vous. Un mail est envoyé à votre adresse mail. Dans les mails, cliquez sur confirmer pour valider votre réservation. Ça veut tout dire. Ça veut dire que vous avez 15 minutes après avoir pris, lorsque vous aurez les trinos, vous mettez vos informations, vous savez comment ça se passe. Nom, prénom, numéro du titre de séjour. Et bon, là, pour retrait, en fait, tout dépend de la démarche qu'on veut faire. Parfois, on demande plus ou moins des informations. Donc, je sais que pour le retrait d'un titre de séjour, c'est pas trop compliqué. Il y a certaines informations qui ne sont pas nécessaires. Et puis, vous faites valider. Si les informations sont correctes, le rendez-vous va être réservé. Par la suite, il va falloir que vous allez dans votre adresse mail, que vous confirmez ceci. Et après, pour que vous puissiez recevoir. Vous êtes les bienvenus dans ce tutoriel. Un PDF avec le rendez-vous que vous pourriez imprimer sur papier. Voilà, c'est 100 euros la démarche. Mais avant, ici, attention. Le mail de confirmation peut se trouver dans votre spam. Merci de vérifier dans votre spam. Donc, ça se peut que ça n'arrive pas dans la boîte de réception directement. Enfin, ça arrive, mais ça tombe directement dans le. Vous savez, vous connaissez dans vos adresses mail, spam. Spam, ce sont des mails qui sont interceptés. Bon, le système a détecté peut-être qu'il y a eu quelque chose frauduleux. Il a mis quelque part en spam qui sera effacé sur un certain temps. Quoique minimum, c'est 7 jours, je crois.
ou si c'est pas 10 jours, une semaine, il faudrait que je regarde ça pour confirmer ceci. Mais c'est quelque chose qui va être facile. Or que lorsque ça arrive dans la boîte de réception, eh bien, ben, le mail est là. Si vous ne lisez pas pendant un mois, 2 mois, 1 an, c'est là. Mais lorsque ça tombe dans le compartiment spam, ben, vous avez un certain temps pour aller vérifier dans les spams pour le lire. Et si c'est important, vous le transférer dans votre boîte de réception ou l'archiver ou quelque chose comme ça afin d'éviter la suppression de ce mail. C'est ce que ça veut dire cette partie-là. En gros, faites attention. Si vous voyez que lorsque vous avez fini de remplir le document, les informations et que vous n'avez pas eu le mail dans la boîte de réception, il faut aller directement dans votre spam. Je vous prie de vous abonner, Donc, merci. qui va vérifier, vous allez vérifier. En principe, c'est ce que ça veut dire. Faites attention. Étape suivante, vous devez taper ce code de sécurité. Donc, je dirais un captcha, mais code de sécurité. Si vous avez du mal à voir ce qui est écrit, bon, là, je peux, parce que je peux voir, mais vous cliquez là, sur les deux flèches comme ça, qui va vous générer un nouveau. Parce que si vous n'arrivez pas à taper ça, vous n'allez pas passer à l'étape suivante. Pour les malentendants, vous pouvez écouter ça en appuyant sur le écouteur, sur le parleur qui est là. Ok, ça va. Les lettres qui sont là vont vous être lues à haute voix. Après, c'est un peu désagréable. Le but, c'est de pour détecter que vous êtes humain. Là, vous voyez, si vous avez du mal à lire, bon, voilà, vous faites l'écoute. Parfois aussi, l'écoute est pas très propre, propre, propre. Mais si vous avez un bon sens d'écoute, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc, moi, je peux taper ici parce que je vois. OK. X, P, H, R, T. Faites attention, hein, comme je vous ai dit, si vous ne tapez pas ça, vous n'allez pas pouvoir accéder à l'étape suivante. Et vous pouvez renouveler ça si vous voulez, si vous avez du mal, ça va vous donner autre, comme on a fait tout à l'heure, ou bien l'écouter, tout dépend. Vous faites suivant. Si vous vous trompez, on va vous dire. Mais là, vous avez vu que il y a des rendez-vous pour les remises des titres. Ici. Les remises des titres, bon, après, c'est pas pareil pour renouvellement ou autre chose. Mais comme ça, vous avez, voici les rendez-vous. Par exemple, ici, Je vous prie de vous abonner, merci. lorsque vous êtes ici, le jeudi 28-11, donc le jeudi 28 novembre et 29 novembre et 30 novembre, vous avez des rendez-vous. 30 novembre, non, hein, parce que 30 novembre, c'est un samedi, c'est fermé. Mais vous avez de rendez-vous. Vous pouvez aussi cliquer ici pour voir plus de traîneaux. Ça, c'est les heures et dates et tout. Mais par contre, là, vous voyez, mercredi 27, 26, 25, vous n'avez pas de rendez-vous. Mais à partir de jeudi 28, vendredi 29, 11, vous avez des rendez-vous. Donc, lorsque c'est comme ça, moi, j'ai pas de rendez-vous à prendre. Donc, ce qui fait que je ne vais pas cliquer. Je vais chercher quelque chose de très là pour essayer de ne pas trop déranger le service. De toute façon, je peux annuler. Je pense ceci. Une fois que vous cliquez sur les traîneaux que vous aurez souhaité, donc vous avez vu là, c'est si vous prenez le premier, donc ça va être à 9h25. Il faut que vous pointez en préfecture à 9h25 avec la convocation et l'SMS. Voilà les heures. 10h05, tout dépend. Ou 14h50 ou 15h20. Bon, moi, j'ai dit, je vais à 15h20. Je prends celui-là, je fais suivant. Et au final, voici les informations que vous devez mettre pour la prise de rendez-vous. Voilà, vous avez vu, c'est pas compliqué pour les retraits. Nom, prénom, adresse mail et le numéro d'agrès. Donc, il se trouve sur votre carte de séjour. Partagez la vidéo à vos amis Sur si elle votre peut aider. récépissé, en fait, hein, vous avez votre numéro d'agrès, donc c'est le numéro d'étranger. Vous tapez ça et vous faites suivant, confirmer. Et vous aurez le rendez-vous. Et là, un mail va vous être envoyé. Vous êtes envoyé.
Et puis, par la suite, il faudra que vous vous connectez à votre adresse mail et confirmez le rendez-vous. Sinon, vous pouvez faire ça et puis le rendez-vous n'est pas pris. Ok, donc, vu que je n'ai pas de rendez-vous à prendre pour ne pas perturber le service, je vais faire précédent. Pour retourner, là, lorsque vous faites ceci, lisez bien. Vous avez déjà une réservation en cours de saisie. Donc là, il a déjà détecté que là, j'étais en train d'entrer des informations pour les rendez-vous à 15h20 pour le 28. Mais vu que je ne vais pas prendre de rendez-vous, je dois faire annuler la réservation en cours et choisir le tableau. Je ne vais pas ni choisir autre créneau, je vais juste annuler. Et vous, si vous voulez reprendre, vous faites reprendre tout dépend si vous êtes dans le cas. Je fais annuler. La réservation annulée. Donc là, le créneau est disponible encore. Ok. Et aussi, je peux voir les dates. Les flèches qui sont là, c'est pour aller vers. Par exemple, là, vous avez vu, si je me trouve ici. À partir du 21, il n'y a pas. Vous voyez, 22, il n'y en a pas. C'est parce que... Là, mais par contre, si je vais vers... Là, on est à 26, il n'y en a pas. Je clique ici. 29, 10. Donc, pour ce mois-ci, il y a un rendez-vous à 14h20. Donc, ce n'est pas le cas. Si vous êtes dans le cas, voilà. Et pour le 5, 11, il n'y en a pas aussi. Le début du mois de... Novembre, il n'y en a pas. 15, 11, 12, 13, 14, 15, tout ça, il n'y en a pas. Créneau. Maintenant, à partir du 20, 21, 22, 23, il n'y en a pas aussi. À partir du 28, il y en a. C'est comme ça qu'il faut naviguer sur le site. Donc, c'était tout pour ce tutoriel. Je vais mettre fin. Mais voilà. Je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour plus. Dans le domaine.